Les eaux desséchées reviendront. Nous avons la conviction.
quand elle est soumise à ça, c'est la séance de tout à l'heure. Et Titi l'avait wonna. Bâtifier nos seaux. Elle est déjà quoi, ben y'a nos seaux. Nos seaux desséchés vont revivre. Je suis votre servante, Madame Pasteur Habitor Makafu. Et bien, il y avait souvent là, Madame Pasteur Habitor Makafu. Nous sommes en direct du centre de prière Piscine de Guérison. Bien, en direct, mais de nous rappeler, d'accord, et tu veux Piscine de Guérison. Nous sommes au troisième jour de notre jeûne et prière de trois jours. Et bien, il y avait ici donc que tombe, que de nous rappeler. T'aimes, Seigneur, relève mon esprit. Le premier jour, le Seigneur nous a relevé du péché. L'a relevé David de son péché. Il a habillé Adam et Ève de leur nudité. Et toi, on a Adam parce que le péché est un poids. Et le Seigneur nous a déchargé le premier jour. Et après, on a la parole. Le deuxième jour, le Seigneur a mis de la force dans notre esprit. Notre vie spirituelle qui est morte, Dieu nous a redonné la vie à travers le Saint-Esprit qui s'est déversé hier et que tu as ressenti dans ton corps, qui a mis le feu en toi et qui t'a relevé de ta chute. Dans ce troisième jour, le Seigneur me charge de te dire il va te relever dans tous les domaines de ta vie. Tes eaux desséchées vont revivre. Tes eaux desséchées vont reprendre vie. Ça veut dire que les choses impossibles deviendront possibles. Comme je te l'avais dit dès le premier jour, si quelqu'un pousse le cri qui dit « Seigneur, relève-moi », ça veut dire que sa personne est tombée et elle est incapable de se relever lui-même et il a besoin d'un soutien extérieur. Il est bien vrai qu'il y a plusieurs sortes de chutes. Nous avons chuté dans plusieurs domaines de nos vies. Une fois que la vie spirituelle chute, les autres domaines de notre vie chutent après. Ça influence tous les domaines de notre vie. Mais puisque le Seigneur a décidé de nous relever, il nous a relevés à l'esprit. Il doit aussi relever tous les autres domaines de notre vie. Je n'ai pas entendu dire amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel va par les tablats, à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près de tout autour et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je me dis, ces
Seigneur l'Éternel, tu le sais. Appelle-toi Jehovah Oyinye. Et il me dit. Jehovah Oyinye. Bêtise sur ses eaux. Bronyani de pousse ya oti. Et il a. Au semant desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Allez, Jehovah, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous poussai de la peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Cassia et Paul étaient un peu honneurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est à travers ces versets que le morceau que nous venons d'interpréter a été composé. Et pour les eaux desséchées reviendront. Et si tu peux le répéter après moi, ce serait bien. Les eaux desséchées. Elle l'a déposé dans une vallée. Et dans la vallée, il y a des ossements. Les ossements étaient très nombreux. Et l'esprit l'a conduit à marcher tout autour des ossements. Afin qu'il ait l'occasion de les observer bien. Et il les a observés. Et il a constaté que c'est des ossements qui sont là-bas il y a longtemps. Des ossements complètement desséchés. Complètement desséchés. Des ossements qui datent de milliers d'années. Et qui sont très très nombreux. Et que l'eau a de quelque part jusqu'à cette vallée. Et il n'y avait pas d'autres issues, ils sont coincés là-bas. Ils sont coincés entre les pierres, les bois, les arbres. Et l'Éternel, après avoir remarqué cela, l'Éternel lui a posé la question. Maintenant que tu as vu l'état des ossements, Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent encore reprendre? Et quand Ézéchiel a soupiré, Ézéchiel, il a dit, Seigneur, pour toi, rien n'est impossible. Pour toi, rien n'est impossible. Si ces eaux que moi je suis en train de voir, complètement secs, qui datent de plusieurs années, ils peuvent revivre. C'est toi l'Éternel qui le sait. C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. Moi je ne sais pas. Si c'est que ces eaux pouvaient revivre, Ézéchiel allait dire oui. Ézéchiel a comme un. Mais puisqu'il sait que ça ne peut pas revivre, et il sait aussi que pour Dieu rien n'est impossible. Il a juste mis Dieu dans les passes. Et comment on est dans nos pommes? Il a mis juste au beau milieu. Et comment on est dans nos pommes? Il a dit ni oui ni non. Il a mis juste au beau milieu. Et quoi d'aller de domaine? Il a dit ni oui ni non. Mais ben tiens, mais non tiens. Et tu as malou au top wenyalo. Il dit Dieu, c'est toi-même qui sais. Seigneur, je dis, c'est toi-même qui sais. S'ils vont revivre, c'est toi-même qui sais. Moi, je ne sais pas.
si ça va vivre ou non. Et Dieu lui a dit, comment tu vois, comment on le dit, on le garde quoi, comment on le dit, cette situation que tu vois, non, mais ma est devenue irréparable, il que tu ça va s'arranger, elle a trop, dans le nom de Jésus, il a dit, c'est toi qui vas dire quelque chose. Ézéchiel, toi tu vas prophétiser. Oya, c'est bien, tu es dans l'impasse. Tu ne sais pas si ça va venir ou pas. Mais je vais te demander un travail. Quand tu vas le faire, tu vas voir que l'impossible deviendra possible. Ézéchiel dit après le travail vient. Ézéchiel va tourner ma main. Maintenant toi, lève-toi et prophétise. Ce que tu vas prophétiser, je vais te le dire. Tu vas dire, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez ce que dit l'Éternel. Situation irréparable. Situation inchangeable. Situation complètement détruite. Situation dont il n'y a plus d'espoir. Écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je t'ordonne. Venez des quatre coins de la terre. Venez. Ossement desséché. Que le vent vous amène des quatre coins de la terre. Collez-vous les uns les autres. Et reprenez la vie. La Bible me dit. Ézéchiel a commencé par prophétiser. Il a commencé par parler de la part de l'Éternel. Il a commencé par prier. Il a commencé par appeler les choses par leur nom. La Bible dit, il y a eu un grand vent, un soufflé. Et le vent a commencé par souffler. Et le vent est parti chercher les seaux. La tête est très très au nord. Il a pris la tête là-bas. Et le bras est en train de crier. Et voici, je suis bras. Où est ma tête? Le coup dit, moi je suis le coup, où est ma tête? La tête est venue s'attacher au cou. Le chien aussi commence à crier ailleurs. Il dit, où est ma tête? Et il est la tête venue. Et le pied a commencé par crier. L'Esprit de Dieu a pris ces différentes parties et il les a collées. Les os étaient collés. Ce qui était ailleurs. Ce qui n'avait pas de vie. Et aussitôt, le Christ est retenti, un grand vent a commencé par
soufflé et a qui est rentré dans les eaux, a rentré dans les eaux, et les eaux ont repris vie. Ils étaient par terre, et aussitôt, ils ont commencé par s'asseoir, ils ont commencé par se lever, et ils se sont levés, ils se sont mis debout, et comme la prophétie vient de le dire, ils ont commencé par L'Éternel est avec toi. Tes eaux sont desséchées. Ta situation n'est pas à encore en parler. Ta vie matrimoniale. Tu es âgé. Tu dois te marier. Mais il n'y a pas de mariage. On dirait que c'est une malédiction qui te suit. N'importe qui veut te prendre en mariage. Mais il ne finit toujours pas jeter l'éponge. Finalement, tu as acheté l'éponge. Tu as dit, ah, je ne veux plus me marier. Je vais adorer Dieu, j'irai au ciel. Le Seigneur m'envoie auprès de toi. Pour te dire, ces eaux desséchées. Ça va venir. Tu vas te marier. Toi, tu es marié. Mais on dirait que tu es célibataire. Rien ne marche dans le mariage. On dirait que tu ne t'aimes pas du tout marié. C'est devenu l'enfer. C'est la souffrance, c'est souffrance. Tu ne connais pas la douceur du mariage. Tu as cherché des solutions fatiguées. À l'instant même, le Seigneur vient à toi. Mettre la vie dans ton foyer. Arranger et relever les choses. Ce sont des ossements de pour toi, c'est ton travail. Et toi, ça n'a jamais marché. Mais ça n'a jamais marché. Mais bon. Tu as voyagé avec les autres. Regarde ta situation. On ne dirait même pas. On ne dirait pas que tu es enfant de Dieu. Rien ne ressemble à la vie d'un enfant de Dieu en toi. Sécher les païens que tu vas commander. Ça ne sera plus ainsi. Ça ne sera plus ainsi. Ça doit changer. Cette maladie que tu traînes depuis des années. Finalement, c'est devenu ta maladie. Et donner. Et donner. La femme va depuis quand c'est devenu ta maladie?
Tu l'as acheté à combien? Tu l'as acheté à combien? Maintenant, elle a, est-ce qu'elle a loué chez toi? Est-ce qu'elle est en train de payer le frais? Est-ce qu'elle est en train de payer le frais de loyer? Qu'est-ce qu'elle cherche chez toi? Tu as prié fatigué. Les pasteurs ont tout fait. Les médecins ont tout fait. Tu as pris des produits. En fait. On dit qu'une maladie qui ne finit pas tue. La maladie veut te tuer. Mais je viens te le dire. Au nom de Jésus, que cette maladie ne te tuera pas. Ils ont dit que tu ne vivras pas longtemps. Les médecins disent que si tu dois vivre banalement 5 ans, banalement 2 ans et puis tu vas vivre. Tu vas vivre 6 mois et puis tu vas vivre. Jésus est en train de déclarer autre chose. Alléluia. Jésus est en train de déclarer autre chose. Jésus dit autre chose. Jésus dit tu vas vivre. Jésus dit tu vas vivre. Sa puissance rentrera en toi. Et en même temps que sur cette parole, la puissance même commencer les gens de toi. La puissance même à vous. Ça rentre dans les utérus mortes. Les utérus mortes. Qu'on a juré qu'elles ne porteront jamais d'enfant. Les utérus mortes. On a juré qu'elles ne porteront jamais d'enfant. L'Esprit de Dieu en train de rentrer dedans. Au nom puissant de Jésus. La vie rentre en toi. La vie rentre en toi. La vie rentre en toi. Le travail que tu fais. Et on dit que ce travail ne va jamais te lui. Que ce travail ne va jamais te lui. Les gens procèdent, tu ne procèdes pas. J'aimerais te dire que Jésus dit autre chose. Jésus est en train de déclarer autre chose. Jésus dit que pour toi prospérera et les gens ne prospéreront pas. Que pour toi va prospérer. C'est pour toi qui sera différent. La vie rentrera en ça. La vie rentrera dedans. La vie rentrera dedans. La vie rentrera dedans. Alors pourquoi je prie pour toi? Au nom puissant de Jésus. Laisse que tu vas te lever. Et tu vas commencer par frapper les mains. Et tu vas commencer par frapper. Que la puissance de Jésus donne son pouvoir. Que la puissance de Dieu donne. Et pour qu'il rentre dans tes problèmes de santé. Pour qu'il rentre dans ton problème de mariage. Pour qu'il rentre dans ton problème d'enfantement. Et qu'il rentre dans ton travail. Et qu'il rentre dans tous les domaines de ta vie. Dans ta vie sociale. Qu'il rentre dedans. Au nom de Jésus. Que l'Éternel entende. L'Éternel t'a confié. Comme il a confié à Ézéchiel. Il a confié à Ézéchiel. Quand tu as parlé, un grand bruit va se faire. Quand tu as parlé, un grand bruit va souffler. Quand tu as parlé, les clous enfoncés en un lieu sûr vont se déraciner. Les clous vont se dérouler. Et ta vie va décoller. Et ta vie va décoller. Au nom de Jésus. Mais il est souvent comme. Thank you.
n'aimes tellement pas qui tu es. Que beaucoup de regarder. S'il te plaît. Répète après moi. Glorie, appelle-toi Jésus. Appelle-toi Jésus. Seigneur Jésus. Me va bon. Me va bon. Je viens à toi. Ne me voici pas. Ne me voici pas. Et je frappe les mains. Ayez mes dos béda. Ayez mes dos béda. Et je prie. Ayez mes yonko. Ayez mes yonko. Et je t'invoque. Appelez que le ne comprenne. Hier, quand nous avons prié, nous étions partis. Le Seigneur m'a révélé quelque chose.
Et j'ai vu comme on reste dans un marché. Et on donne des places aux femmes. Quelqu'un a tissé une corde devant la place d'une femme. La personne a pris de force sa parcelle. Ça partit. Et j'ai vu un homme de Dieu qui est descendu. Il a pris la pierre plutôt pour couper les cordes. Et l'ange a retracé les limites que Madame Boutoua s'arrête ici. Et je me suis réveillé. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit que c'est depuis le monde spirituel que ça s'est passé. On t'a arraché le lieu de vente. On t'a arraché le travail spirituellement. Mais l'Éternel te l'a arraché. Vous avez là ou non? Le travail là, il le fera encore. Là où ton travail est parti, ton travail est parti rester dans le vallée. Ton agent est en train de se promener au-dessus des arbres. La pluie l'a emmené. Toi-même, tu es ici. Tu as demandé à Dieu de te donner la force. Qu'une force rentre dans ton âme. Et si cette force rentre en toi, que ton âme se relève. Et là où ton agent est resté, il n'a qu'à aller le prendre. Là où ton travail est resté, il n'a qu'à aller le prendre. Là où ton avenir est resté, il n'a qu'à aller le prendre. Parce que tu as compris. If you have a woman, you are a
que tu es Dieu bénisse. Elle avait les lèvres brûlées. Quand tu es en train de lutter. Et après, il y a aucun lèvres brûlées. Ah, oui, amen. Amen. Lui, te donnons la victoire. Amen. Quoi, lève tes mains. Partout où tu es en ligne, tu es connecté en train de nous suivre. Appelle-toi Jéhovah. Jésus. Je veux mon travail. Je veux mon argent. Mais je frappe dans les mains. Et je prie. J'ai vu une mecque et toi tu convies Goro Goro à me faire. Amen. Vous avez compris? Donc c'est l'église ça. Toi tu as une mecque. Et Dieu regardait l'église quand je suis rentré. Dieu me dit, toi tu as quoi et me guérir mais. J'ai découvert une grande église. Mais toi tu grande. Où tu l'as un peu dominé. Qui a été conçu derrière. Le valet, mais si tu passes, il faut quelques pièces que tu vois là-bas. Le
tu ne sauras pas que c'est profond. Et c'est quelques deux personnes qui sont déjà. Mais la grande salle, beaucoup de personnes vont rentrer. Et le Seigneur me dit, c'est le ministère d'un homme de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu. Les démons ont ravagé ses fidèles. Il a une grande église spirituelle. Même dans sa révélation, il voit la croissance. Même dans la pratique, l'église se trouve dans deux pièces. Et l'Éternel me dit, je sais qu'il va enlever ces deux pièces-là. Et la grande église. Et quand les gens passeront, ils sauront qu'il y a une église ici. Un homme de Dieu est en train de nous suivre. C'est à toi l'Éternel en train de s'adresser. Et donc, nous n'avons pas à toi, nous n'avons pas à donc, on va être bloqué au niveau. Il faut que chasser les membres. Les gens passent de ça, même pas qu'il s'agit d'une église là-bas. À un moment, il attend, mais il y a même un church, il est fou. Et à partir d'aujourd'hui, la situation va changer. Non, mais attends. Tu vas trouver ton vrai ministère. La porte au church, il y a un tonton. C'est comme ça, toi aussi. Tu fais un travail. Tu es en train de l'élever à toi. Mais on ne te reconnaît pas. Bon, on ne sait pas si tu vends quelque chose. On ne sait pas si tu es titulaire de tel diplôme. On ne sait pas si tu as un diplôme. Toi aussi, les gens te dépassent en bénédiction. Toi aussi, tu n'as pas besoin. Lève tes mains et prie. Amen. 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 Seigneur de tes mains. Que je reviens sur la terre. Ce n'est pas ça que je vis. Je refuse cela. Les ossements sont revivants. Never pass it here.
Le problème de mariage, tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi tu n'arrives pas? C'est Dieu qui t'a demandé de devenir religieux. Ou bien tu es l'apôtre Paul, tu vas te marier. Ceux-là qui ne sont pas mariés, ils vont prier. Toi-même, tu es quelque part, mais ton mari est en train de se promener quelque part. Tu es quelque part, mais ton corps est quelque part. Que le Seigneur Jésus l'a dit. Ceux-là qui sont dans le foyer. Mais ce n'est plus un foyer. C'est devenu un enfer. Tout ce qui est en train de bouger les choses dans le foyer. Tu vas te lever contre. Tu vas prophétiser contre. Tu vas les chasser de ton foyer. Tout ce qui est en train de lutter, ton mari avec toi. Tu vas le fracasser spirituellement. Et tu vas recevoir ton mari. Au nom de Jésus. Si tu n'es pas concerné par cette histoire de mariage, tu as tout ce qui a bloqué ton destin, tu l'arraches. Yeah.
Je prie pour toi. Appuie son relais. Là où est ton mari ou ton épouse. Je ne sais de quel type de mari s'agit-il. Je ne sais de quel esprit s'agit-il. Que tu sois très belle. Que tu sois très beau. Que tu ne peux jamais te marier. Je prie de ta malédiction. Tout esprit qui t'a épousé. Yes, 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 yes
puissance de la guérison te touche. La puissance de la guérison te touche. La puissance de la guérison te touche. L'âme de l'Éternel te touche. Le médecin de l'Éternel. Il est descendu. Elle a il te touche. Elle a il te touche. Il y a un qui est ici, on te oui, je ne connais pas ta maladie. Mais l'Éternel connaît ta maladie. Il est venu te guérir. Il est venu pour te guérir. Le Seigneur me dit, appelle-toi le blanc, mais tu as poursuivi par l'esprit de non-accomplissement. Et nous, ma tchétchina, me met pour mon passato. Non-accomplissement, non, mais non, mais non, que toi et moi, nous allons travailler. Ou bien, je vais te donner ceci. Si le temps arrive, les choses changent. Au moment où le temps est arrivé, les choses changent autrement. Un esprit change les choses. Un esprit mélange les choses. Sur qui cette chose est en train de se passer?